Bonjour, je m'appelle Zineb Nice, 27 ans, voilà, artiste-peintre, jeune artiste-peintre qui vient de démarrer sa carrière. Voilà. Alors, j'ai commencé la peinture il y a 2 ans seulement. Avant ça, j'étais de formation marketing et communication. J'ai travaillé en multinationale, en marketing et en relations publiques notamment. Mais on va dire que l'art a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours dessiné depuis ma plus tendre enfance. mais la peinture ne s'est révélée qu'il y a 2 ans. Parce que bon, j'ai eu un petit souci de santé. Et pendant ma convalescence, qui a duré à peu près 6 mois, j'ai découvert la peinture. J'ai acheté ma première toile. J'ai fait mon premier trait de pinceau, mon premier coup de pinceau, voilà, sur la toile. Et ça a été le début d'une grande histoire d'amour. Alors, cette exposition sur le fil, voilà, elle retranscrit un petit peu, c'est vraiment le sujet de conversation intérieure, d'émotions, de certaines choses voilà, qu'on a à l'intérieur mais qu'on ne dit peut-être plus. Le choix des couleurs, en fait, c'est parce que c'est les extrêmes, on va dire, c'est des couleurs, on va dire, négatives, hein, le blanc, le noir, donc ça représente aussi un petit peu la vie, la mort, et puis ce qui m'a plu, c'est cette saturation, parce que le noir sur blanc, voilà, ça ressort énormément, donc ça me permet de donner un petit peu plus de profondeur à mes visages, aux visages que j'ai peints, aux émotions que j'ai retranscrites. C'est vraiment mon instinct qui a parlé, c'est vraiment des visages que j'ai imaginés ou voilà, qui m'ont parlé. Et voilà, j'ai mis ça sur toile. Mais écoutez, moi, j'essaye de tout retranscrire, hein. Il y a des toiles qui représentent, par exemple, la dissociation, qui est un terme psychiatrique, donc qui représente un petit peu les maux de notre société ou de l'être humain, le fait de se dissocier de soi-même. J'ai représenté des choses comme la passion, l'amour, le baiser, la mort, la bipolarité, et comme l'érotisme aussi, comme on peut voir derrière moi. Voilà, c'est tout ce qui me passait par la tête. Il n'y a pas vraiment de démarche artistique particulière. J'ai laissé mon instinct parler, mon inconscient peindre. Oui, ma famille m'a toujours soutenue à 2000%. Hein. J'ai une famille qui est très compréhensive et on va dire très ouverte d'esprit, mais surtout qui cherche à voir le bonheur de leur fille avant tout. Hein. Donc, ils ont été d'un énorme soutien émotionnel et au contraire, ils m'ont poussée à aller plus loin, ils m'ont encouragée dans ma démarche. C'est ma toute première exposition, voilà, et j'espère que c'est la première d'une longue série, inchallah. J'ai déjà beaucoup d'idées pour la suite, mais pour le moment, on laisse germer et on verra voilà, dans quoi on plongera par la suite. Je ne sais pas encore, et même si je savais, je ne vous le dirais pas. Parce qu'une surprise, c'est beaucoup mieux de la découvrir plutôt que de spoiler. Voilà, c'est comme avec les séries.